Salut à tous et à toutes, c'est Osirax et donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour un serveur. Donc je tourne cette vidéo avant les vacances. Enfin non, pas avant les vacances, plutôt avant que moi là je parte pendant la semaine et donc vous l'aurez par contre vous la semaine d'après. Donc hein, vous inquiétez pas, comme ça la vidéo sera déjà faite et j'aurai juste à la poster. Hein, comme ça j'aurai pas à faire une vidéo en catastrophe, je pourrais directement vous proposer un nouveau contenu. Et donc on va faire comme la vidéo d'iPixel, c'est-à-dire qu'on va prendre des trucs au pif. Voilà, on va faire des jeux au pif, en espérant que ce soit pas très très long parce que j'ai pas envie que ça dure très longtemps. D'ailleurs je m'excuse, la dernière fois j'ai dit que je voulais pas que ça dure longtemps. Et au final ça a duré très longtemps. Donc, désolé. En jeu, attendre 4 secondes, ok, bah ça c'est parfait. Allez, donc, au cas où vous ne connaissez pas, ce jeu c'était Shipwars, donc c'est-à-dire qu'on a épée et arc. Donc bien sûr, en fait, là on peut voir les terrains sur deux terrains qui ne se touchent pas. Et donc, c'est plus souvent à l'arc, donc on va tirer sur les ennemis. Et des fois, tous les 5 minutes, non, enfin, je sais pas. En gros, des fois, on a des moutons, des laines plutôt. Et ensuite, ben, avec les laines, on peut tirer sur les ennemis, en fait. Enfin, on les envoie et ça envoie des moutons. Enfin, voilà, je sais pas expliquer, donc je vais directement vous montrer en jouant. Voilà, donc là, j'ai épée ça. Alors ça me permet de me soigner. Et ouais, j'ai en jouant. Le mouton que j'ai, c'est un mouton soigneur, si vous voulez savoir. Quoi? Allez, c'est vrai, je suis nul. Bon, du coup... je suis mort. Et on va refaire une partie, putain, voilà. Vous voyez, c'est très court. Ah oui, je l'avais dit, hein, c'est vraiment très court, hein, avec moi. Allez, on va faire celui-là. Tac. Voilà, donc vous avez vu une aperçu du jeu. Bon, on va pas dire que vous avez trop vu le jeu, vu qu'en fait, je suis mort en 2 secondes. Bon, je pense que vous avez quand même compris. Hein. Les laines, c'est pour balancer des moutons. Donc là, j'avais mouton soigneur. Donc, pour ceux qui ne savent pas soigner, en gros, je peux soigner, voilà. Merci, Captain Obvious. Et donc, l'arc pour quand on arrive. Et il y a des moutons qui permettent aux ennemis d'arriver sur notre plateforme. Et donc, je sais pas pareil, en gros. Putain, là faut savoir, là déjà je tourne cette vidéo le matin, donc voilà, je suis un peu fatigué, on va dire. En plus là, juste après, je vais partir en vacances, que j'ai pas forcément le temps d'oublier. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que cette vidéo soit bien. Hein, il faut pas que ce soit trop n'importe quoi comme la vidéo d'iPixel. À part si ça vous plaît quand je fais de la merde. Que vous me dites disiez dans les commentaires. Je n'ai pas encore d'abonnés, ça m'étonnerait qu'on me dise quelque chose. Et putain, je tombe tout le temps de la même façon. Quoi, ça a commencé? Ça a commencé? Ah, je bug. Je peux pas bouger. Quoi, il y a un timer? Ok. C'est bon, je suis prêt. Ouh, pardon. Allez. Hop. Donc c'est dommage qu'on parle avec ça, il n'y a pas de musique. Mouton distorsion, ok. Donc ça c'est fait, ça éparpille les blocs autour. Ça c'est un bonus, et maintenant il a été pris, putain, c'est trop rapide. Ouh, alors ça c'est le meilleur mouton là, mouton j'ai. En gros c'est un mouton, on va dire un mouton à tête chercheuse, regardez. Ça va suivre, donc
Je vois que j'ai quelques flèches buggées, donc ça arrive. C'est moi ou je suis reste que moi là. Ah non, c'est mouton, mouton. Oui, parce que quand vous tuez les moutons, ça vous donne les blocs des moutons que vous avez. Je connais pas mouton, mouton parce que. Putain, voilà, ça, mouton intergalactique. Alors, le mouton intergalactique, en gros, ça fait tomber des comètes. Voilà. C'est pas trop pété. Bon, ça va, c'est pas trop pété. Et là, vu qu'ils sont en bas, là, c'est le moment d'activer le mouton distorsion. Hein, je pense que vous avez compris. Donc là, en fait, c'est de commenter. Je sais pas si je vais mettre... Là, j'hésite à mettre de la musique, je pense, un peu. Une musique pas très forte pour que vous puissiez m'entendre, parce que vu que là il n'y a pas de son, c'est... Je vais dire que c'est pourri, mais voilà, c'est mieux avec la musique. Hop, vous voyez lui là-bas? Il est mort. Voilà. Ah bah non. Pourquoi mes flèches tombent? Alors, la partie est donc, comme vous voyez, elle peut durer 7 minutes, donc ça se trouve, si ça dure longtemps, je ferai peut-être que cette partie. J'ai loupé 3 moutons sur lui, putain, je suis vraiment nul, moi. Ça peut aussi faire des trucs chiants pour vous. Ah, j'ai tué un ami. Là, ce serait bien si j'avais un mouton pour me téléporter, parce que je crois que c'est le campeur. Voilà, j'en ai vu un. Ouais, c'est cool, j'ai la moitié de mes flèches qui bug. Si, c'est pas génial, ça. Alors, en fait, à la base, je suis ici, mais en fait, je veux pas, en fait. Je suis tombé. Arrêtez. Putain. Il y a trop de bruit d'explosion. On va tous mourir. On sait pas du fait, bien sûr. Allez. Mouton abordage. Mais c'est con parce que je crois qu'il y a deux rouges qui sont... Oh, il reste plus qu'un rouge, il est là-bas. Oh.
C'est quoi ce mouton pété là? Allez, je suis mort. Oui. Bon, on va arrêter les six pouvoirs, c'est parce que ça va durer trop longtemps là sinon. Et d'ailleurs, je pense qu'on a presque fini du coup carrément la vidéo quoi, parce qu'on a fait que les six pouvoirs. Donc on va essayer de trouver un truc. Bah tiens, on va faire des petits jeux d'arcade. Parce que c'est bien. Disco chip. Il y a zéro joueur, donc on va pas faire ça. Team Fortress, ok, domination. Non, bah, je sais pas, en fait j'ai envie de faire des jeux là où il y a beaucoup de personnes. Non. Oui. Ok, allez, PVP swap, c'est parti. Hop. Donc, PVP swap, en gros, on est sur une île. Donc il y a deux joueurs qui peuvent apparaître. Si je me trompe pas bien sûr. Il y a deux joueurs qui peuvent apparaître sur cette île. Et il y a des coffres en gros. Et après, en gros, il faut tuer, à chaque fois, on se fait swap à un endroit, et voilà, etc, etc. Comment on fait? Bah, je suis... J'ai l'impression d'être con. Voilà. Ça sert à rien. C'est juste un petit jump impossible, on va pas se mentir. Enfin, je sais pas. Donc si quelqu'un veut 6 sur Epic Cube. Et donc ça c'est le PVP swap d'Epic Cube. Hein, si vous voulez tester un jump impossible avec les petits blocs de merde qu'on déteste. Ah mais oui, mais c'est parce qu'en plus on se pousse, il faut pas rien. Putain, je suis bouillant. Ils sont où les coffres? Il n'y a pas de coffre. Suite à cela, Osirax va mourir comme une grosse merde. Mais il va finalement trouver de quoi le réconforter. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je pense que cette vidéo est sûrement plus courte que celle d'iPixel. Mais franchement, c'est parce qu'il y a plus de monde sur iPixel et je trouve que les jeux sont plus diversifiés. C'est plus facile d'avoir des objets. Et là, c'est n'importe quoi. Ah bah tiens, attends. Ok, on fait du tir à l'arc, on va pas se mentir, c'est trop facile. Hein. Bon, on va se quitter sur ce tir à l'arc. Bonne chance, les amis. Ça a pas de fin en fait. Comment je sors? Comment je sors? Ah ok, j'ai pas vu que j'avais un certain nombre de tirs en fait. Donc en fait c'est à partir d'un certain moment. Mais là c'est un peu chiant, vous voyez. Parce que je m'ennuie un peu, voilà. On va pas se mentir, c'est tout pourri. Allez hop, à la prochaine. Salut.